C'est l'heure de notre grand direct du midi, direction Montbéliard pour un spectacle de fin d'année scolaire très original préparé par les CM2 de Lille-sur-le-Doubs. On retrouve tout de suite sur scène et sur place Florence Cicolella et toute l'équipe du grand direct. Bonjour à tous, et eh bien regardez, on est tout de suite dans le vif du sujet. Ici, les 25 élèves de la classe de CM2 de Lille-sur-le-Doubs sont en train de s'échauffer au cœur de la patinoire, dans la plus pure tradition des matchs d'improvisation. Et c'est leur spectacle de fin d'année, on le doit à leur maître Samuel Dufour. Vous êtes un improvisateur chevronné dans la vie privée. Pourquoi vous avez eu envie cette année d'en faire le spectacle de fin d'année de votre classe? Eh bien, parce que l'impro a des valeurs qui sont extrêmement intéressantes pour l'école. L'écoute, la générosité, et puis tout le travail qu'il y a autour du théâtre, qui nous intéresse énormément également. Donc voilà, pour toutes ces raisons, au lieu d'écrire une pièce et de la présenter, le travail de préparation de l'improvisation, il est excellent. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas partir là-dessus. Et c'est moins répétitif. Et c'est vachement moins répétitif que de répéter une pièce de théâtre. Alors, ça fait appel à plusieurs notions vues en classe aussi. Exactement, puisqu'on a pu remettre des notions, par exemple, d'histoire, de science, qu'on a pu utiliser. Et ben, en improvisation, on a créé des catégories pour ça. Par exemple, la catégorie rencontre de personnages historiques. La catégorie, hein, c'est à la manière d'eau, c'est la façon dont on va jouer une improvisation sur une durée limitée. Voilà, exactement, c'est ça. Et donc, on a créé des catégories qui nous sont propres à nous, qu'on a inventées, et on est fiers de les présenter. Donc, rencontre de personnages historiques, quoi d'autre? Voilà, on a la catégorie conflit et résolution de conflits, puisqu'on a appris à résoudre des conflits. Donc ben, cet après-midi, il y aura un conflit qu'un médiateur va résoudre. Et ça marche? Ils ont adhéré tout de suite? Alors oui, ils ont adhéré tout de suite, rapidement. Les ateliers, ils ont pris énormément de plaisir. En improvisation à côté, des fois, on sait qu'il y a certaines personnes qui sont moins concernées. Ben, là, tout le monde a pris goût. Les plus timides avaient des choses à dire. Chacun a apporté sa pierre et sa particularité à l'édifice. Bon, eh bien, on va tout de suite faire une démonstration hein, d'une catégorie, alors qui est très chère à France 3, puisqu'il s'agit de la catégorie C'est pas sorcier, ce grand programme éducatif avec Fred et Jamy qui nous expliquent plein de trucs. On leur fait coucou. Bon, bah alors vous faites le rôle d'arbitre du coup. Très bien. C'est parti. En place pour la C'est pas sorcier, en place les équipes. Improvisation mixte ayant pour titre le manchot empereur. Nombre de joueurs illimité. Catégorie c'est pas sorcier pour une durée de 4 minutes. Alors, voici des manchots empereurs. Ils sont très bizarres. Mais dis-moi, Jamy, pourquoi marchent-ils si bizarrement? Parce qu'ils peuvent pas voler. Ah, donc leurs ailes ne leur servent à rien du tout. Oh, mais c'est bizarre. Mais, Jamy, pourquoi ils n'ont pas froid, eux? Parce que quelquefois, ils se collent entre eux. Et ils vivent dans la forêt. Ah, ils sont mignons. Coucou. Pourquoi me suivent-ils partout? J'aimerais bien que les manchots s'en aillent. Alors, je vais aller voir un centre où ils s'occupent des manchots. Oui, donc messieurs, vous vous occupez de manchots, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, que mangent-ils? Ben, ils mangent des crevettes. Des fruits de mer. Tiens, Jamy, pourquoi mangent-ils des poissons, des fruits de mer? Parce que ils mangent. Parce que ce sont des oiseaux et les oiseaux mangent souvent du poisson. Ah merci Jamy, super. Alors, mais pourquoi ils sont, pourquoi vivent-ils dans l'eau? Pourquoi sont-ils tout près de l'eau? Bah parce que c'est des poissons. On va laisser évidemment les élèves continuer à jouer pendant que j'ai retrouvé Jean-Luc Habitbol. Vous êtes directeur de l'enfance jeunesse à Montbéliard. Et du coup, vous avez cette salle Jules Verne ici à Montbéliard parmi les lieux culturels à gérer. Pourquoi vous avez accepté de recevoir ce spectacle de fin d'année ici?
Parce prenez votre micro. Oui, parce que c'est de l'improvisation théâtrale. Et nous sommes dans une salle de spectacle. La demande de l'enseignant, c'était de permettre à ses enfants de jouer dans un lieu professionnel. Je suis très heureux de l'accueillir, de lui permettre de réaliser son projet. Et je suis très heureux de participer à faire découvrir l'improvisation théâtrale au public montbéliardais. Alors justement, est-ce que le pays de Montbéliard est un endroit intéressant pour développer l'improvisation ? Il est très intéressant pour développer l'improvisation. Nous avons mené énormément d'initiatives ces derniers temps. Je voudrais parler par exemple d'un café-théâtre qui a ouvert ses portes très récemment. Il faut savoir que chez les jeunes, il y a l'improvisation théâtrale et le one-man show font partie aujourd'hui de ce qu'on appelle les cultures urbaines. Et les jeunes s'approprient ces pratiques artistiques. Et nous, notre travail, c'est de leur permettre de les exercer. D'un point de vue socio-culturel, qu'est-ce que ça apporte par rapport au théâtre, à la danse ou au chant, je ne sais pas. L'improvisation théâtrale, ça permet aux jeunes, aux enfants, de parler de leur quotidien, de leur environnement, de leur intégration dans l'espace. Et ça, c'est vraiment important. C'est valorisant ? C'est très valorisant, c'est constructif. Et puis surtout, il faut apprendre à travailler, il faut travailler avec les autres. On est dans une sorte de coopération obligatoire, c'est collectif. Est-ce que c'est presque plus démocratique que d'autres pratiques artistiques. C'est réactif, c'est spontané, c'est dynamique, oui, c'est différent. C'est une présence sur scène qu'il faut avoir à l'instant. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir d'autres formes d'impro chez les plus jeunes comme chez les plus âgés qui se développent dans le pays de Montbéliard bientôt. J'espère bien. Et puis je vous invite tous à venir dès demain pour cette fois-ci un match de gala de la Ligue d'impro. Demain, 24 juin à 20h30, ici même. Eh ben, c'est bien, monsieur Habitbol, vous faites directement les annonces. Alors moi je vais inviter tous les élèves à rejoindre la patinoire, là tous ensemble, puisqu'ils vont nous interpréter bien leur hymne. Ils ont préparé un hymne spécialement à l'occasion de ce match qu'ils vont jouer devant leurs camarades à 14h. Plus de 200 camarades, c'est parti! Nous les élèves de CM2, on fait de l'impro, c'est merveilleux. Et sur les bancs, il y a nos équipes en feu. On fait des listes, des comparus, des mangas et des policiers. Voilà, bravo à tous ces enfants.